Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le Let's Play de Bravely Second. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons reprendre l'aventure principale. Il me reste un coffre à trouver dans les environs. Il y en avait un là. Il y en avait un plus bas. J'ai parlé au PNJ. Il y en avait un là dans le coin au niveau de l'arbre, plutôt du banc. Mais alors, trouver le dernier, je ne sais pas où il a été planqué. Peut-être ici? Non, même pas. Sur le rebord, là, toujours rien. Alors là, je ne sais vraiment pas où ils ont planqué le dernier. C'est quand même bizarre. Oh tiens! Vous voyez pas que je bosse, là? Oh, c'est vous! C'est en poursuivant des voleurs que j'ai fini par arriver ici. Sacrée ville, pas vrai? Arrête, tu caches un truc, c'est ça, avoue tout. Bon, ok. Et toi, tu dis quoi, le gros? Tant que vous avez assez d'étoiles, vous pouvez faire comme bon vous semble. Comment? Moi, j'ai acheté mes étoiles. Ne me jugez pas trop durement. Certains sont intelligents, d'autres sont persévérants. Moi, je suis riche. Eh, ça se tient, ça se tient. Ah, peut-être... Ah, j'ai trouvé! Le panneau, il était vraiment louche. Hein. Il était de travers. C'est normal. Donc, du coup, quelqu'un avait caché quelque chose en dessous. Je suis un cuisinier errant, mon secret, voilà. Allez, on s'en fout. On y va. Go vers le nord. Ah, on a une... Attends, what? Là, pour le coup, l'expression mener sa barque, elle va prendre tout son sens. Attends, on a une sacrée route à faire, les amis. Et pas qu'un peu. On doit remonter tout le long. Wouah. Bon, là, c'est méga turbo, hein. On va surfer. Pikachu attaque surf. Let's go. What? Y a des combats dans l'eau maintenant? Ah, mais c'est n'importe quoi. Ok. Faut que je scoute. Du coup. On va tous vous scanner. Et oui, je ferai un tour dans le bestiaire au bout d'un moment, vous inquiétez pas. Ok, faible vent. Faible à la foudre. Et faible au feu. Non, vent et ombre. Ok, bon bah du coup, attaque vent. Hein. Alors, de ce fait, on va tout simplement... Bon, on va tout simplement les bourrer, hein. On va pas se prendre la tête. Alors, ma petite, t'as des attaques. Glacier, feu. Ok, t'as ni vent, ni... Ni vent, ni foudre. Comme ça, ça règle le problème. Voilà. Ici. Tous les ennemis. Et puis toi, bah pareil, mon gars. À la limite, il faudrait peut-être que je monte un peu le mage blanc avec You. Ouais, je le ferai. Attends, j'ai fait un truc, là. Oui, c'est bon. Allez, let's go! Ah, ça tape tellement bien, là, le mage. Ça, c'est bon, ça. Voilà, il a fait toute l'équipe tout seul. D'ailleurs, je les ai tués en un tour, là. Ils auraient pu me... Un autre combat, quoi. Ah, la mise à jour de la lune. Bah oui, bien sûr, l'utilisation de conditions de Brave. D'ailleurs, faut que je voie le petit PNJ là qui me file des amis en plus. Moi, j'aime les amis. C'est bien, les amis. Ah bah ça, c'est bien. Potion et pierre de renvoi. Plutôt que de te retaper le truc, acheter une pierre de renvoi, c'est cool. Ah, discussion. Le renouveau de Moonhold. La vache, aider à tout rebâtir chez Magnolia, c'est une sacrée responsabilité. Par où est-ce qu'on commence? Magnolia, pourrais-tu nous parler de Moonhold, c'est bien ça? Of course! Pour commencer, il y a quatre types de bâtiments principaux à Moonhold. Oui, ok, c'était loupé, mais alors? Les ateliers à objets, les chantiers navals, les bio-usines et enfin les laboratoires de recherche spécialisés dans les coups spéciaux. Pour que Moonhold redevienne une puissante forteresse, c'est par ces bâtiments qu'il va falloir commencer. Les ateliers à objets, j'ai une bonne idée de ce que ça peut produire, mais des chantiers navals sur la Lune? Ils construisent des vaisseaux de casseurs, comme celui qui m'a amené à Luxandark. Impossible de lutter contre les balles sans eux. Attends, Manuel, laisse-moi noter tout ça. Système de défense, anti-balles, et les bio-usines, c'est quoi? Elles produisent la nourriture des habitants de Moonhold. Il y a peu de survivants, alors ils se débrouillent sans, mais... Une fois la reconstruction commencée, la population va fortement augmenter. Oui, du moins espérons-le.
étudie des laboratoires de recherche sur les coups spéciaux. Voilà des bâtiments qui doivent très spéciaux. Quoi? Un intello comme toi n'a jamais entendu parler de ces laboratoires? On étudie les coups spéciaux utilisables au combat et les éléments qui les composent, ce qui est encore plus utile. Je n'arrive pas à croire que je dis ça, mais Edea a tout à fait raison. Ça alors? Mais une petite minute et les boutiques vendant armes et armures. J'ai bien peur que nous n'en ayons pas sur la Lune. Ah bon? Va comprendre. Enfin, je crois avoir ses yeux, plus ou moins. Toute la question est donc de savoir quel bâtiment il faut privilégier et jusqu'à quel point. En tout cas, c'est un défi qui me plaît. Allons les mettre KO. Alors, cette expression est vraiment nulle à chier, allons les mettre KO. Cela dit, quand elle est arrivée sur la Terre, elle avait une genre de grosse lance méga halbarde. Donc, s'ils n'ont pas d'armes sur la Lune, appelle-moi! Appelle-moi con. Donc, les spéciaux, on va les changer. Parce que là, il faut remporter des combats pour que ça le booste. L'utilisation arrivée là, on va plutôt prendre tous les déclencheurs de Brave. Utiliser Brave 25 fois pour le niveau 4, c'est très rapide, contrairement à gagner 40 combats. Rien qu'en un combat contre un boss, vous pouvez utiliser vos trucs. Quoi. Bon, les répliques, on s'en fout un petit peu. Pour l'instant, on n'a pas donc les éléments, etc. J'ai l'impression qu'il y en a plus qu'avant, non? Non, non, il y avait tout ça. Peut-être soutien, je sais plus s'il y avait. Oh non, je crois qu'il y avait tout. Donc c'est un peu mieux mis en avant. Bon, allons-y. Honor et que ça saute. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas regardé s'il y avait des tableaux de quête, là. Touchez-le. Ah oui, mais ça, je l'ai fait, non? Le bestiaire gobelin. Ouais, le problème, c'est que je les ai pas pour l'instant. J'ai qu'une page. Bon, bah tant pis. Allez, on monte parce que là, il y a de la route. Vous pouvez savourer un petit peu cette musique d'ascenseur en attendant. Et combat! Youhou! Oh, c'est quoi ça? Un poisson de mort! Et ça fait mal! Je pense que les attaques suffiront. Oh, mais c'est quoi ces bourrins? Vous allez vous calmer ouais, ou pas? Sorcellerie niveau 2. C'est cool. J'avoue que je n'ai pas XP aussi, hein, donc me tapez pas. Merci de votre compréhension. Alors on doit aller là-haut en forme de croissant. Ah, un petit dernier combat pour la route, ça c'est parce que le jeu il a dit t'as pas assez XP. Alors ça agit en premier, ça touche tout le monde, on sait ce qu'on va faire. Inflige l'effet sous forme de dégâts physiques. Oh, ça c'est intéressant. Inflige l'effet pendant plusieurs tours. Waouh! Je suis curieux ça de voir ce que ça fait. Aïe. Et re-aïe. Et re-aïe. Je veux voir le temps que ça dure et tout. Ah c'est fort, c'est méga fort. Ouais bon ça coûte cher aussi donc je sais pas si c'est rentable. Toujours est-il que au niveau des classes, sorcellerie niveau 2, marteau et brume, donne accès à la technique sorcellerie. Ah, mais ouais! Ça, du coup, c'est ce qu'il me faudrait pour le switch en mage blanc. Enfin, en évêque, pardon. Est-ce que je pourrais le faire? Et du coup, avec brume.
Avec brume, je pourrais faire nuit sacrée sur tout le monde, en fait, c'est stylé. Permet aux compétences de sorcellerie d'affecter aussi les sorts lancés par les alliés durant le même tour. Je comprends pas trop, on verra bien. Pluie et flèche, pleine charge, double la puissance des sorts offensifs quand même, ouais. Restituer PV à hauteur de 25% des dégâts magiques encaissés, les dégâts de poison ou gel, ou ceux entraînant un chaos n'infectif pas cet effet. Détonation et écran. D'accord. Bah, on va continuer de booster le petit comme ça. Le fameux gouffre. Oh, il est beau! Capturons-le. Pardon. Ouais, j'avoue que dans cet épisode, j'ai pas scanné encore les diablotins. Ah, j'ai pas fait gaffe, mais en fait, EDA, elle a pas beaucoup de vie. Peut-être faire attention. Ah ouais, ça pique, hein, en plus. Ah, voilà qui soigne bien. Oh, voilà qui fait mal. Alors mec, toi tu vas mourir pour ça. Ok. Ah, le chacal, il me l'a muté, quoi. J'ai rien qui soigne le mutisme en plus. On va déjà rentrer, ça se trouve, il y a un PNJ à l'intérieur. Berceau des balles. Oh, stylé, ça commence à être une cinématique. J'allais dire, c'est une cinématique et tout, c'est stylé là. So, this is where the ball is sleeping? Yes, if my theory is correct. We believe this grooved structure was created by the ball's impact with the ground. How curious. For the longest time, it was covered in a thick miasma that prevented anyone from getting close. But reports from the past month claim that the miasma had begun to dissipate. Reports which I have now confirmed. Why do you suppose the miasma dissipated? Some posit that it is because the ball that sleeps within has grown weak. But I am unconvinced. After all, we have no evidence that it was the ball that emitted the miasma in the first place. Why, none of us has even had occasion to examine the ball with our own eyes. Until now, that is. This is a chance of a lifetime. I will do my duty as a student and a scholar. And I will do mine and destroy the fiend. Ah, ce qui est bien, c'est qu'on va tuer le Baal, elle va récupérer les 5 étoiles et elle va rabattre le caquet de l'autre. Ça, c'est cool. All right, I'm ready for this too. Let's get going. Eh ben voilà, j'avais pas raison. Ça va, tu n'as pas augmenté tes prix. Faire une petite sauvegarde. Labyrinthe, je pense que là il y a un coffre. Mais c'est méga stylé comme ça.
Moi, j'aime pas cette connerie. Ça fait trop mal. Peur vous oblige à attaquer, donc c'est assez relou. Ça fait quand même mal, sorcier. Hein. Il n'y a pas à dire, quand tu boostes comme ça, ça envoie du lourd. J'aurais dû les faire un par un. Faut que je développe les améliorations pour acheter de l'éther au bonhomme. Ouah, mais attends, j'ai rien demandé là, laisse-moi tranquille. Ils sont faibles à la terre, bah vas-y, rebolote. Ah bah non, je peux pas là. Ouah, c'est pas grave. Mais il a une défense de ouf, You. Quarante PC, ouh. Alors, le lancer d'armes, c'est un peu ridicule au final, puisque vous n'avez pas le truc pour les ramasser. Ah non, les armes lassées peuvent être récupérées après le combat, ça va. En utilisant la compétence ramassage. On va tester, on verra bien. Tu avais mis toi les 20? Ouais. C'est lui qui a moins de boost, il va falloir que je fasse quelque chose pour ça. Franchement, il n'y a rien à dire, je suis désolé, mais rien que les maps, c'est bien meilleur, quoi. Ils ont largement amélioré les... Putain, vous avez vu ce plan comme ça, c'est stylé, comparé au 1 où on faisait ni plus ni moins du... Avant-arrière, il n'y avait pas de vieux plan. Franchement, ils ont fait un taf de ouf, les devs. En termes d'idées, c'est cool, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à laisser un commentaire là-dessus, parce que franchement, les maps à visiter sont tellement plus emblématiques, quoi. Une plume de phénix. Je pensais que ça allait descendre vers le bas, j'avais raison, mais en fait, non, il y a un portail. Donc faut prendre de l'autre côté puis revenir. Il y a de la fumée ici. J'avoue qu'il faudra peut-être que j'XP un petit peu entre deux, comme ça je ferai tout sous système d'exploration. Allez, à toi de montrer ce que tu sais faire. Ah oui, c'est moins bien d'un coup là.
c'était beaucoup moins bien. Bon, la combinaison mage rouge avec la magie blanche pour les soins, ça a toujours été au top par contre. Je vais les faire un par un. On va déjà récupérer le coffre là. La mise à jour. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié ça. Ah mince, j'ai oublié le... Le mec, faut que j'y aille. Je vais aller chercher. Après avoir pris le prochain coffre. Par contre, je sais pas pourquoi il fait aussi mal You, Tease. Et que Edea, c'est pas le cas, quoi. Est-ce que c'est l'escrimeur qui fait autant de dégâts? Oui, elle fait peu de dégâts. Et c'est bizarre, c'est que... Ah oui, non, mais c'est la faiblesse, il attaque avec l'épée. Ok. Volte-face, je sais plus ce que c'est le truc des PM, ça, des PB. Apporte un PB après une esquive, ouais. Au cas où. On sait que pour l'instant, je l'ai pas joué en ninja, mais on sait jamais. Oh, arc en mitrille. Ok, y a rien. Alors j'ai lu vos commentaires aussi, il faudra que j'aille chercher la dague qui était située à travers un mur. Apparemment c'est une dague qui confère le vol quand vous ne l'avez pas de base. Ce qui est plutôt cool. Ça je vais tester ça, ouais. Lancer d'armes, rapière. Lancer d'armes, tomahawk. Ok. C'était très bizarre. Ouais, je les récupère au moins. Ouais, ça va. Ouf, j'ai eu peur. Bon, je vais aller déjà au petit PNJ, histoire de récupérer le petit bonhomme pour lancer le Moonhold. Sinon, nous ne réparerons jamais rien. Allez, vite, 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 cours, cours, tease, tease. D'ailleurs, si vous avez le souvenir de où se situe le mur invisible, histoire que je passe pas 20 ans à le trouver, ça peut m'aider. Parce que d'ailleurs, je viens de m'en rappeler maintenant, il va falloir que je refasse tout le tour en barque. Youpi. Eh ben, comment je fais déjà pour... On va attendre, on va voir. Allez, je suis en fibre optique, là, déconne pas. Ah, voilà, c'est ça, je crois. C'est bon, là. Je crois qu'il va me filer un bonhomme. Voilà, hein, réception des données de balles.
Invitation d'amis internet, ça c'est bien ça. Voilà, vous avez envoyé 5 invitations d'amis internet. Alors, on va prendre lui. Bah, je peux pas. Ah, je les prends tous en fait. Et donc maintenant il me vend, voilà, des petits trucs, ça c'est cool. Alors, il faut que je regarde si je peux avoir des villageois, je sais plus, je crois qu'on m'a expliqué également. Ah oui, ça c'est vrai. Ah ben voilà. Population de Moonhold plus 5. Voilà, ça va aller bien plus vite pour faire des petits pharmacies, tout ça. Antidote collier. Ah oh, pardon, excusez-moi. Et hop, 10 minutes. On est reparti. Et au final, ils sont qu'à niveau. Ils s'XP bien ici, j'aime bien. Ah oui, 13, 17, je suis un peu dans la... la grosse moyenne basse. Ça part, elle est grande cette map là. Je le mets parce qu'il faut que j'XP de toute façon. De l'éther, c'est parfait, on en a jamais trop. Mais effectivement, avec leur nouveau système, je pense que c'est plus rent... Attends. What? Il y avait un coffre de l'autre côté, je l'ai pas vu. Faible vent, c'est vrai. Vu la puissance de mes persos. Ouais, vaut mieux faire des... Ah mais attends, ça veut dire que je l'ai pas pris le... Ah si, il est... Attends. Si, si, il est ouvert. Ok, je me disais aussi, il était bizarre. Ok, il reste plus qu'un coffre, il sera en bas à droite. Et c'est un coffre verrouillé. Donc du coup là on retourne dans la map de gauche. Ah! Une attaque surprise, méfiez-vous. Ouais bon, on va continuer de les bourrer comme ça. Je veux juste voir si... Combien il fait par rapport à... Oh ! Déflagration, ça fait trop mal. Ah, lui, il fait mal, ok. 179. Ah mais c'est même pas encore l'autre map quoi. Si si, il doit y avoir une porte, je sais pas, c'est un truc là. Voilà. Ah voilà. Ah.
Non, ces lumières, ça, on s'en fout. Oh, il va bientôt les OS, c'est bon ça. Et un anneau de paix. Est-ce que c'est immune? Annule la folie. Il a quoi lui déjà? Ouais, ça donne pas mal de boost, on va plutôt les donner à... Plutôt le donner à Magnolia. Parce que c'est la soigneuse, donc faut éviter qu'elle soit folle. Cinq coffres ici encore. Mon groupe se sent brave. J'en connais un qui est brave là, ouais. Bra! Allez, c'est fini. Clochette réveil, c'est cool. Ah, et ça part en cacahuète, la labyrinthe total. C'est excellent. Ah, je suis pas arrivé au bout. Les alliés en initiative. Ah. On va te montrer ce que t'as dans le ventre, toi, ma petite. Lumière, lumière, j'ai pas lumière. Ah non, tu galères à mort, en fait. Ok. Ah oh bah, il n'y a pas qu'elle qui galère. Bon bah ok, ça va XP. Bon, c'est vrai que les jobs vont être de plus en plus longs de toute façon à monter, hein. Ça, on n'a pas trop le choix. Après, hop, bon. Bon, je vais essayer de faire ça pour les prochaines fois. Essayer d'XP. Oh non, juste devant lui. Ok. Je vais le fuir celui-là. Ah oui, mais c'est là. Ouais, non, attends. Ah, ça craint. J'ai pas. Ah, si je meurs, ça va être chaud. Oh, vous n'avez pas les qualifications requises, vous m'avez surpris pour rien. Alors disparaissez, oust. Ok, bon bah comme ça c'est fait. Je ne sais pas quelles sont les qualifications ici, mais bon. Il y en a un en bas. Ok, ça c'est bien. Compétence, terre battue en aiguille. Ah oui, non. Ah là là, le con. Dans le genre, vous êtes relou les gnomes, là. On va vous défoncer pour la peine.
Mais comment elle fait si peu de dégâts? C'est quand même chelou ça. Ah mais non mais Tease il est en colère, c'est normal. Voilà, allez, bouffez. Ok, niveau 14, ça monte. Alors je vais aller, parce que là ils sont tous en sourdine, donc ça va être chiant. J'ai rien pour enlever tout ça, donc... On va aller jusqu'au PNJ en finissant de prendre les coffres. Elle est vraiment grande cette map, c'est cool. Oui, j'aime bien quand tout est bien propre. Voilà, c'est bon, la map est clean. Et du coup, on va aller voir le bal. Alors on se repose, on finit les 10 minutes. Je sais même plus si on peut mettre plusieurs choses en même temps, les ouvriers. Ok. Herba Echo. Il me semble qu'on peut mettre plein de trucs en même temps. Ça on s'en fout, ça on s'en fout, ça on s'en fout aussi. Default. La default ça peut être pas mal. Je vais en mettre un dedans. Hop. Oui, c'est comme la probabilité des coups critiques, hein, c'est dégressif. Allez, on sauvegarde. On a tout ce qu'il faut, on est chaud. Et on espère que ça va bien se passer. Alors par contre, faut juste regarder pourquoi elle fait aussi peu de dégâts, Magnolia. Attaque magique 32. 45, c'est... ouais, autant, c'est énorme. Et 50, 40... Ouais, je me rends pas compte, en fait. Tu vois, défense magique, ils ont la moitié, ils prennent genre 100 points de dégâts et lui, il prend 0. Donc effectivement, elle a de l'attaque magique quoi. Ah oui, c'est parce que c'est la tête en plus, je comprenais pas. La tête elle fait 40. Bon, ça va le faire hein. But there's nothing there. Nothing resembling a ball indeed. This is a mystery, a puzzle, an enigma. I'm starting to think there was never any ball to begin with. Ridiculous, preposterous. My research, months and months of research. The ball was here. I know it. I'm sure of it. It was. I'm certain as well. Magnolia? This miasma in the air. I know it too. Yes, I know. I know the ball that landed here. Huh? Oh! What's that noise? What's it, please? Is it an alarm? No. Excuse me for a moment. Ici 11-0-3-4-5. Ouch. Terminé. Ça fait une éternité que nous essayons de vous joindre. Terminé. Oh. Énorme les paroles en français. Attendez, mes nouveaux alliés sont ici avec moi. Parlons les langues. Je veux qu'ils comprennent. Appelez-moi Magnolia. Terminé. Understood, Magnolia. This is Vice
President Appleberry. Appleberry. I'll get straight to the point. A new threat has emerged. It eluded our perimeter defense and is heading for your coordinates as we speak. Chapelle! Distance, 26,000 in closing. Impact in T-minus 1 minute. Magnolia, you know your orders. It's Baal busting time. Don't worry. After the pounding we gave it, it should be on its last legs. Roger that, Appleberry. Don't worry. Ball Buster Magnolia Arch is on the job. Et là, pour contre, c'est du vrai français, sans accent et tout, quoi. Je parle du mec, hein. That was my commander on the moon with an urgent order. A new ball is headed in our direction as we speak, and it's my job to bust it. A ball? Where? Right above us, and it's closing fast. Stand back, everyone. I've got work to do. Not alone, you don't. Reva, it's too dangerous for you here. Run! Run? Right! Run! Incoming! It's huge! I'm Magnolia Arch. And it's time to bust some balls. Ben voilà, ça c'est mieux comme phrase d'accroche. Ah bah c'est lui. Du coup faut que je fasse attention parce que je sais plus ce qu'il fait. ...5000 points de vie faible à la lumière. Ouais, il fait un double. Et il faut que je le tue. En fait, les doubles n'attaquent pas. C'est juste que si je me mets à attaquer le monstre, en fait, les doubles vont m'attaquer et vont me mettre très très cher. Tiens, attends, je fais des bêtises, moi. Quoique, je pourrais plutôt faire de l'attaque avant. Histoire de booster mes compétences. Ah ouais, mais en fait tu peux faire des trucs de porc. Est-ce que tu peux faire deux brumes, quoi? Attends, je l'ai pas tué l'ombre mage. Oh putain, je pensais que ça allait le tuer. Oh ouais, non mais je vais mourir. Ah non, laissez tomber, je meurs. Dans la démo, ils étaient méga faibles en fait, ils mouraient en un coup, quoi. Ah non, non, mais je meurs. Je meurs complètement. Comme ça, c'est fait. Donc, il n'a rien à voir avec celui de la démo. Comme ça, c'est fait. GG, Xel. Ah ouais, mais les objets aussi. Oh, the fuck. Oh, mais il a rien à voir avec celui de la démo, putain, il m'a niqué.
Ceci est un cas d'urgence. Bon, ben voilà, ça c'est fait. Ok. Ah, je pouvais pas le savoir. Je pensais que c'était comme dans la démo. Dans la démo, ils mouraient en un coup, les doubles. Sauf que là, il a tenu quasiment tout le... Bon, au moins, vous avez vu le pattern. Donc, faut voir maintenant combien ils ont de points de vie. Ok. Je vais les scanner, voir combien ils ont de points de vie, du coup. Allez, let's go! Ça se trouve, ils ont autant que mes personnages ici, maintenant, peut-être. Donc là, on commence par scan, tranquillement. Là, il fait un double de tease. Ouch. 500 points de vie, ils ont. Ok. Je crois qu'il faut l'éliminer maintenant parce qu'il faut que je claque du soin. Quoique, je pourrais faire un petit défaut avant. Ok. En fait, je vais tout mettre sur l'ombre mage, et si jamais il meurt avant, bah tant mieux, quoi. D'ailleurs, je vais commencer par rebooster, à chaque fois j'oublie le loup fulminant. Ah, mais la ténèbre en plus! Oh putain! La dernière fois, ça a marché, j'ai pas compris, on verra bien. Ça va le tuer. Ok. Bon, en fait, l'ombre n'attaque que si vous attaquez le boss, en fait. Sinon, si vous attaquez l'ombre, il ne réplique pas. Ce qui est plutôt cool. Wow. Moi, bon, je crois que j'ai pas le level. Tout simplement. Ah, oh, si, je peux le faire. La confiance. En fait, dans la démo, vous l'affrontez niveau 14, bah, comme là. Vous l'affrontez niveau 14, sauf qu'en fait, bah, vous êtes quasiment immune à tous ces sorts. Il vous inflige genre 50 points de dégâts. Sauf que là, il en inflige 300, ce qui est une nette différence. Ok, donc let's go. Soin. Oh, pop, sa mère. En fait, faudrait que je puisse, sur le moment défaut, prendre le rythme. Parce que j'ai pas la bonne rythmique, là, que tous mes persos, ils sont décalés. Je vais le tuer, vous inquiétez pas, mais... Ah voilà, Magnolia qui gagne des PB, c'est bon ça. Tisse qui va crever, Tisse sous ténèbres. Ah ben non, je l'ai plus le truc du... Ok.
Par contre, c'est quand qu'il refait un clone, d'habitude il le fait plus souvent. Bon, bah voilà, suffisait de demander. Je vais l'éliminer pour pas prendre de risque. Ouah, c'est tout. Watch out. Ah mais oui, mais elle a une grosse défense physique, forcément. Aïe, 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 aïe. Padam, tadam, on va essayer d'économiser la magie de You quand même. Ouais non, décidément, ça tank trop. Y'a pas le choix You, tu devras t'en occuper. Allez, faut que je prenne une bonne rythmique là et on est bon. Voilà. Avec ça, c'est bien. Hop, pardon. You. Ah, c'est quand même chiant. Sa mère. Ok, c'est bon. On y va. Allez, let's go! Ça y est, là, je suis remis. Et voilà, je suis parti. Il m'a fallu un peu de temps, mais c'est bon. Non, mais c'est bon, lâche-la, quoi. T'es sérieux? C'est la win. Et je finis full vie en plus, c'est beau. Ouh. Ah, c'est bien, ça m'a mis de la difficulté en fait. Mais il va falloir que j'XP clairement. Is it dead? It is thanks to you. It would have been rough on my own. Ah, énorme. Was that what I thought it was? Yes, it was. It most certainly was. A living, breathing ball, right in front of my eyes. Wait, this is the discovery of a lifetime. No, of the century, of the millennium. Reefa, don't forget to breathe. Herr John, Appleberry, ici Hart. Répondez. We're getting no life signs from the ball. Mission complete. Well done, Magnolia. It was nothing, compared to the fiend that raised Frog Loon and barely put up a fight. Nevertheless,
you performed your... And yet, we never know when the enemy will strike again. Stay vigilant, Ballbuster Magnolia Arch. Wait a minute, Magnolia. What's going on? When we first met, I told you that I came to your world from the moon. Specifically, I come from Fort Lune, a base on the moon's surface. Our mission? To intercept and eliminate balls. I served there as a ball buster. A ball... buster? A base? On the moon? I've never heard of such a thing. My people have been fighting the balls since the dawn of history. We've taken it as our duty to protect Luxendark from this otherworldly menace. My comrades and I have undergone a rigorous training program designed to turn us into expert ball exterminators. In other words, you're a ball buster. Putting aside for a moment the idea that I'm talking to someone from the moon, you're saying that on the moon the existence of balls is common knowledge? Mais oui. For generations, we succeeded in containing the ball menace. Everything changed 1 year ago. A ball appeared whose power dwarfed anything we'd seen before. We of the Ballbusters led a full-scale attack against the fiend. But to no avail. That single ball ravaged the moon, laying waste to my home and slaughtering my people. As Fort Lune lay in ruins, the ball hurtled off towards Luxendark. Appleberry and I were the only survivors. It took us a year, but we repaired a lone vessel, and I set off in pursuit of the ball. But my navigation system malfunctioned, and before I knew it, I was crashing into the mountains of Eternia. Where we met? This miasma in the air? Oui, I know it all too well. The ball that slept here is the fiend that destroyed my home. I'm sure of it. Wait a minute. You said that the enemy you were searching for was in the Skyhold. Yes, that is where I first detected its presence here on Luxendark. But I sense it, or remnants of it, in this place as well. Why? I cannot say. But it doesn't matter. Not... I must go to the Skyhold, find the fiend, and avenge my people. This is my mission. Why I came to this world. Even alone, I will do my duty. Magnolia... Wow, mais ça m'excite tout ça. Y a un méchant ball. Magnolia... Forgive you? I should have known. C'est bien parce que maintenant ça sera pas Ghostbusters, ce sera Ballbusters. Allez, c'est parti. Well, not about balls and busters and forts on the moon and all that, but the tragedy you suffered. Your duty. You've been keeping it all inside and I never even noticed. But what's this do it alone talk? We may not be Ballbusters, but we're your friends, aren't we? Friends. Yeah. Who said you had to shoulder the burden all by yourself? We've been on your side since day one. Day one. Ouais, comme les jeux vidéo. Still, you lent us your strength and offered to help us save Agnes. What more could we ask for in a friend? Mes amis. I might not be much on the battlefield, but I'm here for you too. Anything you need, just ask Reefa. All right. Since we have a new mission, we'll need a new name. Starting now. I declare us Agnes' ball-busting Avengers! Merci, mes amis. Thank you, my friends. And with that, there's no time to lose. We need to track down the Skyhold. Let's head back to El Campus and see what we can find out. Come on, everyone! Au fond du cratère. Hein, c'est quoi ces papiers, Rifa? Aucune idée, je les ai découverts au milieu des autres détritus dans le cratère. Il y en a une sacrée pile et ils sont tous mélangés. Ce sont peut-être les notes de quelqu'un. La pluie a tout endommagé, certains passages sont presque illisibles. Laisse donc tes risques mettre à moi en ce lieu. C'est absolument incompréhensible. Si je rapporte ces fragments et que je les restaure avec soin, je pourrais peut-être les déchiffrer. Mais il va d'abord me falloir déterminer s'ils ont été écrits par un seul auteur ou par plusieurs. À mon avis, tu as juste découvert un remède contre l'insomnie. Un tel travail me plongerait dans un profond sommeil. Et là, c'est ainsi qu'il faut procéder pour ce genre de recherche, j'en ai peur, n'est-ce pas, You? Ah oui, en effet, heureux de voir que tu n'as pas changé en tout cas, Rifa.
Que veux-tu dire? Oh, le déchiffrage de ces documents s'annonce comme un véritable défi. À la seule pensée des heures de travail qui m'attendent, la chercheuse en moi est dans tous ses états. Et dans ce cas, je te souhaite bonne chance, Rifa. Ouais, y en a qui... Moi, la découverte de balles, ça m'excite, et elle, bah, c'est travailler dans des papiers, hein, donc, voilà. Du coup, on va se reposer dans la maison. Ouais, ça, c'est bien, ça. C'est très très bien, ça. Et on va sauvegarder. Et puis moi-même, après, je vais sûrement récupérer une pierre de renvoi. Ouais, j'en ai déjà sur moi, donc ça va, c'est nickel. Et puis, c'est donc la fin de cet épisode. Va falloir que j'aille retourner chercher la dague. Ça fait du taf, ouais. Clairement. Bon. Hop. Je quitte. On se retrouvera très bientôt. Ah, mais j'ai peur de quelque chose. C'est que quand je retourne au village... Bah, il y a des cinématiques avec des dialogues. Du coup, je vais pas pouvoir traverser le village sans passer les cinématiques. Finalement, je vais peut-être pas pouvoir récupérer la dague, non. Bon, je vais essayer d'XP un petit peu ici. Au moins niveau 17. Allez, cette fois-ci, je vous laisse. Souhaite à tous une bonne journée, bonne fin de soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, portez-vous bien.